Salut les amis, c'est Daron Motard. Aujourd'hui nous sommes dimanche et comme le temps est assez clément, avant une période de canicule qui va être compliquée pour pouvoir rouler confortablement, eh bien nous allons faire une petite balade avec l'ami Pascal que l'on va rejoindre à Boisdevillers comme d'habitude. Et puis de là, on va partir, on ne sait pas encore où, mais on verra bien, ça sera au gré de nos envies, là où la route nous mène. Bon les amis, on a rejoint l'ami Pascal. Comment va l'ami Pascal? Ça va. Trop de caméras. Il a trop de caméras. Donc Pascal s'est mis aussi à la caméra. Hein. Il a voilà, la GoPro 6 qui est ici. Et alors il a toujours sa dashcam qui est ici. C'est quel modèle encore de dashcam? Midland. Hein. Midland. Ça oui. Marche bien. Et pour ceux qui sont intéressés pour une dashcam, ça marche bien. Voilà, mais ça c'est une dashcam, c'est vraiment l'idée, c'est de filmer en continu. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller jusque concessionnaire Yamaha, apparemment qui est en porte ouverte, donc on va aller jeter un coup d'œil et on va peut-être essayer quelques trucs. Allez, oh, oui, non, oui, non, je préférais la Ténéré alors. Allez, c'est parti. Bon, donc on est en route vers une concession Yamaha, je ne sais pas où elle est, mais je suis Pascal. Qui apparemment fait des portes ouvertes avec possibilité d'essai. Donc on va peut-être essayer de s'incruster, de voir s'il y a moyen d'essayer. Bon, voilà, on y arrive, je crois. Nous y sommes chez Mazouin. Moi, je te verrai bien là-dessus. Bon les amis, on a été ici donc chez Mazouin Sport, concessionnaire Yamaha. Il y a une porte ouverte, malheureusement il n'y a pas la 1200 Ténéré en essai, sinon je l'aurais bien essayé, mais on va aller faire un essai chez l'importateur avec Pascal, un de ces quatre. Et voilà, donc très belle concession. Merci beaucoup. Alors, par où doit-on aller? Voilà, c'est parti, on va essayer de rejoindre la tour du millénaire où j'avais été une fois avec Xavier. Et de là, on va aller vers Charleville-Mézières, je pense, vers la France, peut-être pour manger un petit morceau. On verra bien. De toute façon, Inch'Allah, wallah, comme disait l'autre. Et on se balade, quoi. Voilà, tout simplement. Et comme disait Xavier, abonnez-vous à La Moto, tout simplement, la chaîne de Xavier. Il y a des belles vidéos et il vient d'avoir un drone, donc je pense que ça va être intéressant de voir des belles prises d'images. Et bien sûr, abonnez-vous à Daron Motard si ce n'est pas encore fait. Et je voulais aussi vous remercier toutes et tous pour les 1000 abonnés. On a passé le cap des 1000 abonnés, donc c'est juste énorme. Je vous remercie encore vraiment du fond du cœur, parce que à la base c'était juste une chaîne de balade. Je voulais aussi montrer historiquement mon parcours de motard depuis mon début en 125 jusque maintenant, les grandes balades, les épopées fantastiques avec les amis. Et ça, c'est chouette.
Donc encore un grand, grand merci les amis. Bon allez, on est parti. Allez, on prend les petites routes, c'est sympa. Ouais, j'ai pas le train aujourd'hui. Hein. Je prends des routes pour. Alors, faire du off-road presque avec la Deauville. Non, je déconne. Putain, mais le chemin il est défoncé d'une force. C'est là qu'on voit quand même la polyvalence du trail, parce que c'est vrai, voilà, les routes sont parfois en très mauvais état. Bonjour les chiens, bonjour les chiens, bonjour les toutous, salut. Merci. Ouais, moi je vous le dis, les gars. Hein. On va finir par faire du trail avec la Deauville. Ça s'est couru d'avance. Je crois que je vais. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez-moi ça. Alors, on est sur une route à desserte locale et convoi agricole uniquement, normalement, mais bon. Il y avait un serpent par terre, les gars. Le serpent, c'est du... une couleuvre, à mon avis, mais... Ça, c'est quand même bizarre. C'est la première fois que je vois un serpent sur la route en Belgique. Ouais. Bon, bah, écoutez. Voilà. We'll be right back.
ouais, les amis, on fait une petite pause. Enfin, on vient de faire une petite pause. On va reprendre la route. On est plus très loin, je pense, de la tour du millénaire. On fait une petite pause d'ici trois quarts d'heure, une heure pour manger. Et voilà, donc je suis avec la Deauville, Pascal avec sagesse, moi je suis avec la Deauville. Et donc je ferai peut-être un de ces jours une petite présentation plus détaillée de la Deauville. Mais elle est quand même, elle est belle quoi. Ouais, elle est belle. Hein. Ouais. Elle fait plus, c'est une 650, c'est ça ? C'est une 700. 700, ouais. Parce qu'elle fait quand même plus... Elle fait déjà ouais, assez grosse, hein, oui. Elle oui. Met en valeur. Elle met en valeur, donc elle a de belles courbes. De généreuses courbes. Bon, les petits amis, on a bien mangé. Pascal a bien mangé aussi. Bonne petite adresse. On est en France, on va retourner vers la Belgique, à la tour du millénaire. 12 km, 15 minutes. Tout est bien. Tout est bon dans le cochon. Allez, c'est parti. Ben voilà, j'avais fait cette petite balade vers la tour du millénaire avec Xavier il y a 2 ans. Je venais d'avoir la Souze. Ça faisait 15 jours où j'avais la Souze. Et ici, ben voilà, 2 ans après, je suis sur une autre moto. Retour à la tour du millénaire. C'est une chouette destination. Voilà la fameuse tour du Millénaire. Voilà Pascalou, la tour du Millénaire, perdue en plein milieu de la forêt. On peut monter tout là-haut, si on a envie ou pas. Non, c'est à patte. Pascal, la vue là-haut ? Excellent. Ah. C'est physique. C'est physique, hein ? C'est physique. C'est plus physique que la moto. Hein. C'est pas mal. Il y a beaucoup de virages. Beaucoup de virages. Voilà. Bon, allez, on va reprendre la route, on va remonter tout doucement. Il est 3h30. Et voilà, les amis. Donc, objectif atteint aujourd'hui, la tour du millénaire. On a été mangé en France, donc c'est bien. Bien, bien, bien. Bien. Bien voilà les amis, ceci termine notre balade vers la tour du millénaire et notre petit déjeuner en France. Je vous remercie encore toutes et tous aussi pour tous vos abonnements, vos messages, vos commentaires. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de Daron Motard, de nouvelles balades, des voyages. Et on se retrouve eh bien, dès qu'on peut sur la route.
pour de nouvelles aventures. Ouais, ça tourne bien. Voilà, les amis, je vous embrasse. Ah, ciao, 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 ciao.